Ils étaient déjà irrécupérables. Irrécupérables. Ah oui, c'est un métier. Mais là, on ne peut plus rien faire pour eux. La tribu signe son retour sur Jam avec un gros cadeau. Pour sa saison 10, le 7-9 devient le 6-10. C'est quoi, c'est Jam. Bon, alors, tu es invité, cher invité, à nous raconter une histoire mensongère. Un truc pour lequel on va t'appeler le menturier. D'accord. Donc toi, en tant que menturier, tu vas raconter une histoire un peu absurde, okay. Histoire de tomber sur la chute qui nous dirait et qui justifierait pourquoi Yugu voilà. Ado Caflet. Voilà pourquoi Yugu Ado Caflet. Sachant que Yugu, tu sais ce que c'est? C'est les friperies ordinaires et tout. Au marché de goûter, t'as déjà trié du bonbon de tricot, au moins, dans la vie. Et c'est arrivé à tout le monde, non, les gars? Ouais, forcément. Ouais, voilà, forcément. Non, oui. Pourquoi mon rire, il est bizarre? Bah ouais, un peu quand même. Mensonge d'un jour. Et tu commences quand tu veux. Est-ce qu'il y a une chanson que tu veux bien pour t'accompagner sur ton histoire Mais toi, en tam-tam déjà. En tam-tam bah bon, ouais. Allez. Yugu. Ado Caflet. Yugu. Ado Caflet. Yugu. Yé Pambo. Ado Caflet. Yé Pambo. Yugu. Yé Pambo. Ado Caflet. Ado Caflet. Alors, c'est l'histoire d'un jeune monsieur. Oui. Qui est très épris, qui est très branché mode. Oui. Donc, il n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à croire comment ça se fait qu'autour de lui, tout le monde n'adhère pas. Pourquoi? Il n'adhère pas. Ben oui. Oh, ça m'énerve. Et après, il y a un des amis qui lui dit comme ça, écoute, tout le monde ne peut pas faire comme toi, parce que tu sais, la mode, c'est un tout petit peu coûteux. Oui, il dit, c'est coûteux. Ok. Je pense que je vais y remédier. Oh, et que le monsieur a eu à le dire. Il savait qu'il avait l'an, lui. Ben oui. Il a l'an. Il met les pieds dans les plantations. Donc, ce qu'il fait, il passe des commandes dans toutes les grandes capitales. Il y a un grand matin. Coquet. Un gros camion arrive. Un gros camion arrive avec des balles. Des balles de quoi? De vêtements. Oh, il y a un vous. C'est dans la forêt noire. Et comme le principe c'est de rendre cette mode accessible. Il y avait principe dans ça là aussi. Ben oui. C'est de rendre cette mode accessible. Du coup, tous les prix ont été véritablement dérisoires. Oh, ton binali descend zengan. Bureau 13. Y a Silip. Chérie, laisse-moi dormir. Bon, après, on va refaire cette ambiance à la fin. Chacun m'a dit un petit diable. On entend. Yeah, Delo. Tes amis pas écolants, ils s'en vont au café de Rome. Toi, tu es là, tu mets garba, on t'invite, mets garba seulement. Faut porter collant. C'est collant qui va devenir réussi. C'est les mégeances, collant, ça. Martori, authentique. Martori. Histoire, raconte. Donc, tout le monde a commencé à porter des vêtements plus ou moins à la mode, on dira comme ça. Tout le monde a commencé à porter les pantalons slim, les vestons. Les vestons. Oui, tout le monde a commencé à porter les petites robes. Les vestons. Les tenues de cocktail, les tenues de soir. Et puis voilà. Ben ouais. Donc, voilà pourquoi. Yugu. Ado Caflet. Yugu. Ado Caflet. Yugu. Ado Caflet. Et comme j'ai annoncé, on va faire les bruits du marché. On va reproduire l'ambiance de Djamé. Là, il fait. Yadé. Fais ça, allez. Qui va poursuivre le truc là? Allez, tap. J'ai donné les trucs, les partitions. C'est le maître Nicker. Bon, toi, tu dis veille. Yadé. Fais, allez, fais ça. On n'a pas beaucoup de temps. Fais. Yadélo. Un seul Yadélo. Quand tu fais. C'est Fran bien glacé là. Refais. C'est Fran bien glacé là. Tu fais Yadélo.
Voilà. Tu continues. Fais la même chose pendant 50 ans. Toi derrière, tu fais Yes. Si ça promet, si ça promet. Toi tu fais Pantale, Pantale. Toi tu fais Chérie, laisse-moi dormir. Chérie, laisse-moi dormir. Tu fais Voilà, binanitreuse, binanitreuse, binanitreuse. Voilà, bibole de 5 secondes, bibole de 5 secondes. Il y a Sitié. Vous faites. Ça, tu fais, ça vient des États-Unis, ça vient des États-Unis. Et puis, ça, tu fais, je connais pas l'argent. Chacun a sa partition, on peut faire à jamais, s'il vous plaît. Et on veut les droits sur cette version d'ambiance à jamais made in Radio Jam. C'est comment ça? Tu as goûté Jam? Ouais, c'est super. C'est quoi? On n'est pas pointillant. Ils étaient déjà irrécupérables. Ah oui, c'est un métier. Mais là, on ne peut plus rien faire pour eux. La tribu signe son retour sur Jam avec un gros cadeau. Pour sa saison 10, le 7-9 devient le 6-10.